Et yo tout le monde, c'est Fusion, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play sur Alien Isolation. Donc voilà, c'est ça tout de suite. Comme d'hab, les bons petits chargements qui font bien plaisir. Je me souvenais pas que c'était aussi long. Donc voilà, c'est bon. On a la partie, donc on devait aller chercher de l'aide parce que elle s'est fait blesser. Alors, tire les pimpons. Pensez aux autres voyageurs, emportez vos déchets avec vous. Ah, t'inquiète. Alors, c'est parti. C'est bon. Je reprends juste un peu les touches en main. Quoi? Pardon? Quelqu'un? Oula. Verrouillé. Non, vous me voyez pas. Alors, Non. Oh. Oui, c'est joli. Bon, bref. Hey, vous là-bas, vous avez besoin d'un coup de main? Qui me parle? Je cherche un médecin. Vous m'entendez? Je cherche un... Je vous entends pas, attendez. Bonsoir. Montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. Ça pue l'arnaque ton truc. Le tapis, on va... Allez, venez. On n'a pas de temps. C'est sur l'arnaque ton truc, hein. Mais pas se mentir, ça c'est l'arnaque. Tu sais, j'aurais pu dire je suis là pour te buter. Attends, je t'ouvre la porte. Je t'entends pas de toute façon, donc je sais pas pourquoi tu viens. Enfin bref, en espérant qu'on va pas tomber sur un gros malade. Tu viens, t'ouvres la porte et là t'as le gars. Je vais te tuer. Ça serait plutôt con. Bonsoir. S'il vous plaît. Attention, je suis armé. Coucou. Rien que ça, tiens. Oh, tu t'es vu. Est-ce que c'est une bonne idée de lui faire confiance? Comme si c'est toi qui décidais s'il s'ouvrait ou s'il se fermait, tu sais. Est-ce que ça nous met en confiance? Mais non, pas du tout. La recharge. 10h, 13h et 15h, 19h. Merci de votre compréhension. Ensuite? J'ai pas hyper vraiment confiance là. On n'est pas vraiment sous notre meilleur jour. Je vois. Hop.
Ok. Petite sauvegarde, ça fait plaisir. Enfin, ça dépend. Ça dépend ce qu'il y a après la sauvegarde. Donc oui, je vais sauvegarder. Coucou. Je suis Coleman. Ripley, je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel. Mon père se lève, le gars. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. On y va comment? Comment ça, on? Vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Je peux vous guider d'ici, si vous voulez. Morley ou Wingard devait sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morley. Ok. Alors, le bureau de Morley. Déjà, on va prendre ça. Fumigène? What? Qu'est-ce qui chafoue là, ça? Je suis pas en confiance là. Mais alors, pas du tout. Ok, donc c'était bien par là qu'il fallait aller. Et ses piles, elles se vident à une vitesse. Bonsoir. C'est stylé ça. Ah. Allez, prends tout, on s'en fiche. Non, j'ai pas voulu ouvrir la porte moi, tu te calmes. Bonsoir. Bonsoir. Ok, donc je suis revenu là. Donc allez, ouvre-moi ça. Oui, c'est bon, je vais cliquer quelqu'un. C'était quoi ce bruit? Alors. Open the door. Allez, faut qu'on travaille en équipe, vous pensez pas? Ouais, enfin. On y gagne tous les deux. Continuez. Dans la zone où vous êtes, on mettait nos patients les plus instables. Qui a fait ce bruit? Qui souffrait de troubles d'adaptation à l'espace lointain. Dis-moi juste où elle est. Des cas tragiques. Vous tracassez pas, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là. Oula, je crois qu'il avait mal au ventre lui. Non, non, mauvaise route. T'es obligé de m'agresser pour me dire ça? Ah, il y a une sauvegarde là. Ah, ça que je cherchais. Je pensais que cet endroit était tellement prometteur quand je m'y suis arrivé. Ouais, mais non. Oh, tu vas te calmer, Denis. Hein, c'est pas bon. C'est pas par là. C'est par là. Tu m'as le devant, toi, ce que je vois. Je peux chercher. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Des cas tragiques, vraiment tragiques. Loin des rythmes terriens, du lever et du coucher du soleil, l'esprit a tendance à s'égarer. Des cas tragiques. Mais bon, l'air. C'est par là. Voilà alors. Ok, donc le petit tour. C'est ça, c'est dans ce couloir. Oh, Morel, faut te calmer. Trouver le bureau, on va pas se mentir, je pense que c'est par là. Ah, hop. Zbub, zbub, je suis perdu. Voilà. Peut-être que je vais prendre un utilisateur pour ça. Ok, donc un bureau.
Vous y êtes, c'est le bureau de Morlaix. Le code d'accès devrait être quelque part par ici. On va pas se mentir, il y a un PC, je pense. Enfin, non, si, un PC. Je peux passer un PC. Alors. Vous avez trouvé le code ? 1702. Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix l'a gardé toujours sur lui. Trouvez-le. Oh, rien que ça. Il va être où ton petit Morlaix ? Docteur Morlaix. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Attention, violation de la quarantaine. Sur la recherche de non. La carte d'accès. Si je ne tapette, je me cache. Bon, vu qu'il n'y a pas le choix. Ça fait bien du bruit pour bien tirer. 1702 le code. Non. Ok. On est parti où ? Il est parti où ? Oulala. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas où, petit ? Je sais pas où je peux me cacher. You. Oulala. You. Je crois que je suis mort. What the fuck, bâtard ? Putain, il m'a fait peur ce con. Je pensais que cet endroit était tellement prometteur quand je m'y suis installé. C'est une vraie tragédie. Mon talent a été gâché. Non mais dis pas que... Oh là là, s'il faut que je retrouve le bureau. Vous m'entendez ? J'ai voulu utiliser le dispensaire. C'est ça. C'est dans ce couloir. Enfermé. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations si Lingard et vous me privez Allez. De mes privilèges d'accès. Certains Médicaments. Surtout quand la station est dans une situation Voilà. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients... Elle ouvre la porte. Considérez-vous comme formellement... De toute façon, c'est mon code, on le connaît, c'est 1702, voilà. Vous avez trouvé le code ? Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix l'a gardé toujours sur lui. Trouvez-le. Détendez-vous, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Je suis mort, ok. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est bon, c'est ça. C'est dans ce couloir. Alors. Hop. On va chercher le code qu'on connaît, hein, 1702. Voilà, c'est écoutez, bon. On va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix l'a gardé toujours sur lui. Trouvez-le. Détendez-vous, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a juste la ligne qui arrive, mais c'est pas grave. Concentré sur la recherche de la carte d'accès.
Bim 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 bim. Je suis pas là. S'il te plaît, par loin. Mais vraiment loin, s'il te plaît. Hein, ok, je suis pas au courant. Maman. Il fout la pression en plus. Attends, c'est gros pas là. Il nous a coincé en plus, hein. Il va partir quand même un moment. Oh là là. Ah, il faut que j'aille en fait. Ah ouais. Oh là. Ouais, ok, donc faut que j'aille là-bas. Je retourne sur mon bureau. Oui, il est parti où? Je vois. Ah. Ok. Donc on peut. What? Un peu plus loin la mort, s'il vous plaît. Non, franchement, je kiffe. Eh hey, mais c'est bon, toi ce matin je le connais le code. Il faut quand même.
chercher les endroits où on peut se cacher. Ok, donc toi. Oh! C'est une belle journée d'été. Vous êtes dans un champ de maïs. Des cas tragiques, vraiment. Derrière tragiques. Vous. Loin des récupérations. Mais oui, c'est vrai, j'ai le détecteur et tout ça. Il a tendance à s'égarer. Fumigène. Des cas tragiques. Mais Morley a perdu beaucoup trop de temps à être à leur petit soin. Il n'aurait jamais dû venir ici. Aucun de nous n'aurait dû. Ouais, putain. Non. Des trucs là aussi. Toi, tu vas pas rester fermé aussi, non? C'est ça, c'est dans ce couloir. Oh là là. Allez, au petit code. Ah, je connais 702. Voilà. Vous avez trouvé le code? Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morley l'a gardé toujours. Pour ta carte, tu fais galère, mec. Détendez-vous, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. En attendant, restez concentré sur la recherche de la carte d'accès. Je m'approchais, voilà. C'était gros dégueulasse. Tum. Vite. Je me casse. Ferme-toi. Moi, je me cache. Tum. Je suis pas là. Pas qu'il entend le bruit du détecteur. Tiens, caca culotte. Casse-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, casse-toi. C'est ça, casse-toi. J'ai entendu la porte se refermer. Il arrive. Fermé. Ok, il est pas loin. Ah, j'ai pas envie d'y aller, mais faut que j'y aille. Il est en mode vénère. Oh.
parti. Ok, donc feuille au bout. Ouais, maintenant ça veut dire que faut que j'aille au bout, puis je revienne. Nah, c'est une blague. Je crois qu'il s'est barré, hein. J'ai envie de dire j'espère qu'il s'est barré. La petite picouse. Je suis en stress total. Je t'ai entendu. Pas loin, à côté. Je te vois. Casse-toi. Non, casse-toi, s'il te plaît, casse-toi. C'est pas moi. Personne. Il est pas loin. Je peux pas sortir maintenant. Non, c'est une feinte, il est pas loin. Voilà. Rapproche ou il se barre. Je t'entends, t'es pas loin. Pas de quoi se cacher en plus ici. Je vais chercher des trucs au cas où pour se cacher. Parce qu'il y a que des bureaux. Ah non, là. Très discret, je sais.
Ah, mais j'ai une balle de flingue. Fais moins de bruit, s'il te plaît. Déjà voir s'il n'y a pas de cas sauvegardé dans le coin. Non, c'est génial. Faut pas faire de bruit. Et rester à l'écoute. Ouais, donc il va falloir que je repasse au milieu de la laine, c'est ça? On examine tout ça. Par où on peut y accéder? Alors. Quoi? Pardon. Sauvegarde. Ok, j'ai vu la sauvegarde. T'es dans le conduit ou quoi? Discret. Discret. Sauvegarde tranquillement, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Ok, donc ça servait à rien en fait. C'est juste une planque éphémère. Je crois qu'il est vénère. Ah non, t'es sérieux, peux me voir comme ça. Donc, je sais que c'est pas une bonne idée de rester comme ça.
Toi couvert, replay. On va attendre qu'il passe. C'est bon. Vite, rentre, 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 rentre. Il est dans le coin, je l'entends. Il est juste dans ce couloir, je parie. Quoique. Ah, t'es sérieux, il me charge dans le conduit. À quel moment il vient te chercher dans le conduit? Voilà, on va attendre un truc. Ok. Cache-toi, 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 j'y arrive. Là, c'est bien, on a une bonne vue sur la porte. Salle de tour. Ouais, ok. En fait, là, il va me suivre partout où je vais ou comment ça se passe? Cache-toi, vite, 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 vite. Je suis pas là. T'es
T'es tapé un sprint là, mon gars? Non, me dis pas que. Et si! Il est parti là où je voulais aller. C'est le moment d'y aller. Ça sert à quoi? À ça, ok, c'est très utile. Donc il est bien parti là où par où je devais aller. Check all. Non, me dis pas que. Non, me dis pas qu'il faut que j'aille là. Que je prenne ce conduit là. Allez, va dans la boue. Où est-ce qu'elle va me mener cette routine? Pas une bonne idée. Dites-moi qu'il peut rien me faire quand je suis dans le terminal. C'est quoi ça? Bon, ça, je sais toujours pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Application de l'air. Ce que je viens de faire, comme ça je peux faire ce qui est joué parce qu'il y a du bruit tout le temps. Non, et si j'ai fait tout ça pour rien. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Je me casse. Pas par là. Du mauvais côté, c'est cool. Mmh.
C'est vrai, il m'a pas vu. Je crois que je me suis cramé tout seul. Mais il y a un cadavre là. Il est en embuscade devant la porte, le type serré. Il est reparti par là où je voulais aller. Il approche. Non, me dis pas qu'il est dans les ventilles. Donc il est derrière. De toute façon, je suis sûr que c'est par là qu'il faut aller. Voilà, moment, faut y aller. Il est juste dans le couloir, ce fourbe. Il me laisse pas passer. Allez, ferme. J'ai déjà venu il y a 2 minutes, même pas, il y avait personne, il y a toujours personne. S'il te plaît, va à gauche. Pourquoi tu reviens? T'es pas sûr qu'il y a personne? T'as envie de lâcher un petit croc dans le cadavre? Allez, à gauche. J'ai dit à gauche, pas à droite.
toum 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 toum, y'a personne ici. Hein. On a réussi à passer, c'est plutôt une bonne idée. Toujours personne. Bonsoir. Bah voilà, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de temps. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut.